représente un espèce de commencement, le commencement de quelque chose, de quoi, je ne sais pas encore. Tu sais, avec mon label, ça fait des années qu'on est ensemble, des années qu'on bosse, qu'on se tue à la tâche. On avait fait d'autres scènes avant, un peu moins, entre guillemets, prestigieuses. On espère que justement cette scène soit le commencement d'une grande aventure. Vous êtes là, je vous kiffe, vous avez l'air de me kiffer, donc j'ai envie qu'on partage ce moment, qu'on vit le moment présent et qu'on kiffe vraiment. Est-ce que vous êtes prêts à kiffer avec moi? À ce moment-là, tu réfléchis à comment va se dérouler le show, s'il va pas y avoir de pépins, parce que tu as toujours un espèce de stress irrationnel et tu ne sais pas pourquoi, et tu essaies de te battre avec toi-même pour dire non, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Donc après, je me mets dans la scène, il n'y a personne, j'essaie de voir visuellement comment ça rend, est-ce que ça va faire bien. On se concerte et puis après, on décide tous ensemble, quoi. Alors comme ça, on est en mode de concentration. C'est un crew, tu vois, c'est un crew parce que même si, tu vois, parfois on fait une scène, c'est ponctuel, et puis on se revoit peut-être dans 2 mois pour faire une autre scène, tu vois. C'est important qu'il y ait une osmose entre nous, et parfois on prend des répètes, on a 3 heures de répète, pendant 2 heures on rigole, on raconte nos vies, ouais, on débat sur la musique, on débat sur ce qu'on a entendu, et puis après on répète 1 heure, on se dit ah merde, on est un peu en retard, mais c'est pas grave, on va prendre d'autres répètes, tu vois. First move. Monsieur Nobre, dans le futur. Nov, sincèrement, t'aimes bien comment on joue de la basse. Nov, à la lumière sur les pompes à neuf. Je ne joue pas sur les pompes à neuf. Bonjour, mon nom est Xofixou. L'enquête d'aujourd'hui se portera sur un homme que l'on appelle Monsieur Neuf. Pendant un moment, tu y penses, mais tu y penses sans vraiment y penser, tu dis ah, c'est dans 1 mois, ah, c'est dans 3 semaines, c'est dans 2 semaines, ah ben c'est après-demain. Et à ce moment-là, quand le manager arrive, dit t'arrives dans 10 minutes, t'es sur scène, tu dis ah ben là c'est dans 10 minutes là. Ceux qui ont des rêves, des ambitions, qui ont envie d'accomplir quelque chose sur cette vie, tu sais qu'elle est difficile, alors je vois tout le monde en l'air. Thank you.
me résume mes phases. J'ai un million de rimes, un million de phrases. Tu sais la vie, c'est des bas et des hauts. Je vais aussi, je me bats pour me foutre de haut. J'ai choisi la scie plutôt que Art Deco. Crois pas que j'irai taper toute ma vie, j'ai Art Deco. J'attendrai pas le temps, non. Mais tu dis, mais tu vois, les risques sont perdus. Mon nom, je tiens sur les gens. J'espère que les gens vont kiffer le son et que je vais marquer les esprits sur le plan musical, quoi. Que les gens plus tard se disent ouais, Nov il a fait quelque chose, il a sorti un vrai CD. Donc j'aimerais que dans des tu vois, dans les années à venir, dans les studios, ça parle du style de Nov, quoi.